Et salut à toutes et à tous, c'est Isaiah de la CEO Family et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre petite aventure sur The Legend of Zelda The Wind Waker. Souvenez-vous, la dernière fois on s'était laissé dans la forteresse maudite et mon cœur balançait, je ne savais pas si je devais vous faire un let's play ou bien juste des vidéos tests. Et bien j'ai décidé de vous faire un let's play complet. Alors peut-être qu'il sera pas trop complet parce que j'aurai peut-être des problèmes et tout ça vu que c'est sur émulateur, mais je compte bien vous faire ce jeu au maximum, c'est-à-dire jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. Je me battrai pour le faire jusqu'au bout. J'espère au moins que ce petit discours vous aura ému. Je me suis cassé la gueule pendant une heure pour le faire. Non, je plaisante. Et donc voilà, on va faire comme si c'était un let's play. Depuis le début on le savait. Alors souvenez-vous, on s'était laissé ici sur la forteresse maudite. On avait commencé notre aventure. Notre petite sœur Ariel s'était fait enlever par un oiseau géant qui l'avait confondu avec Tetra, le capitaine pirate qui nous a emmené jusqu'ici. Et donc, voilà. Donc, alors j'ai un très mauvais souvenir de cet endroit. J'aime pas ça du tout. Alors, tout ce que je me souviens, tout ce dont je me souviens, pardon, c'est qu'il faut prendre ça et se cacher en dessous. Voilà. Alors cette phase est vraiment sympathique parce que c'est vraiment une phase amusante, tant de jeux. Mais c'est... Voilà. Alors ça, c'est l'un des trucs le plus casse-couille de cette zone. Surtout que moi, j'ai pas la manette... La manette GameCube, donc ça va être bien galère en plus à faire. On va essayer d'aller choper les deux petits rubis là-bas. Parce que je suis très très gourmand en matière de rubis. Même si c'est un rubis de seulement... qui ne rapporte seulement un rubis. Je suis extrêmement gourmand en ce qui concerne les rubis. Cette phrase peut être sortie de son contexte par Pimp Yeoman. Ne faites pas attention. Oh là là, c'est chaud par contre pour le deuxième. Oh merde. Merde, non. Et puis en plein milieu en plus, le truc qui se voit bien. Je sais pas pourquoi mon doigt appuyé tout seul. Alors là, vous voyez que si on est attrapé, on est directement jeté au cachot. Et donc là, si je me souviens bien, par contre, c'est assez facile de s'en sortir. Il faut juste grimper ici. Ensuite, on court là. On chope ce truc. Oui, car souvenez-vous, on n'a plus notre épée. Hein. Notre épée a été perdue lorsque nous avons... merde. Ah ! Ah ! Alors, oui, donc je vous disais, notre épée a été perdue lorsque nous avons... lorsque nous avons été envoyés sur l'île. Alors, il faut faire R. Voilà, nickel. J'ai enfin trouvé comment est-ce que ça marchait. Donc souvenez-vous, quand nous avons été envoyés, enfin, plutôt quand nous avons été catapultés sur l'île, eh bien notre épée a été perdue. Et donc c'est fâcheux. Mais on va être obligé d'aller la chercher. C'est bien par là, hein. Oui. Alors. Bon, c'est bien, ça nous a permis d'avancer un petit peu. Qu'on va récupérer ce qu'il y a dans ce coffre. Ça doit être la boussole ou un truc comme ça. Car par certaines personnes, ce donjon est considéré, enfin cet endroit est considéré comme un donjon. Moi je ne le considère pas comme un donjon, vous verrez pourquoi. Mais moi je ne le considère pas comme un donjon. Donc après il y a certaines personnes qui le considèrent comme un donjon, mais pas moi. Ce n'est pas mon cas. Alors, hop. Pourquoi j'ai pas sauté là, c'était vraiment c'était bon, on aurait pu sauter ici. Alors on va ouvrir cette porte et voir ce qui se cache derrière. Je suis sûr qu'il y a des monstres. Je suis sûr et certain qu'il y a des monstres. Alors oui, donc vous voyez notre objectif, vous voyez qu'il y a plein de grosses lampes et en fait elles sont toutes dirigées par une espèce de gobelin. Et notre but va être d'aller liquider ces gobelins justement afin que toutes les lampes soient hors d'état de nuire, on va dire, et qu'on puisse se balader absolument à notre aise librement dans la forteresse maudite. Et donc pour ça, donc il va falloir se rendre à chaque endroit afin de tuer les gobelins. Toi, je t'ai vu, pas peine de te cacher, hein. Ah shit, par contre il faut bien se mettre devant, et avec l'émulateur c'est toujours aussi pratique. Donc ça doit être la boussole, vu que j'ai eu la carte juste avant. La boussole, c'est bien ce qui me semblait. Vous connaissez désormais l'emplacement d'un certain nombre de trésors dans le donjon. Utilisez gna gna gna, faire apparaître la carte.
Ok. Alors là, on va aller en face. Ça ne pouvait arriver. Je n'aime pas ce bruit. Est-ce normal? Non. Ah, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas. Lâchez-moi, foutez-moi la paix. Alors, ça ne pouvait arriver qu'à moi, le coup de tomber comme une bouse. Et qu'à moi que... Merde. Oh, purée. Alors, ça va grave me faire chier, par contre. Oh, vos gueules. Non, mais non, mais là, c'est vraiment méchant, parce que j'ai rien pour me défendre. Non, mais ils vont me tuer, là. Bordel, mais ils me suivent, en plus. C'est vraiment des boulets, ce truc. Hein. C'est pour ça que ça me rappelait quelque chose, cette musique. Oh, mais je sais pas, ils sont trop cons dans Mario, les gens. Oh là, alors non, on ne va pas aller par... Bon, si on va aller par là. Bon, allez. Vous avez gagné. Si on se retrouve à quelque chose, ça sera votre faute. Hein. Bon, même si vous n'avez rien dit. Non, mais... Oh, c'est abusé. Mais abusé, quoi. Non, mais vous êtes sérieux. Bien abusé, quoi. Putain. Ah, du coup, je vais tout me rattraper. Ça me gave. Hop. Alors, ça. Ça va nous faire chier. Mais. Bout du fil. Pardon. Elle était pourrie, celle-là. Alors, hop. J'aime bien le petit brick feeling quand il marche, ça c'est rigolo. Lol, pourquoi il ne veut pas descendre? D'accord, donc il suffisait d'appuyer sur le bouton comme tout le monde aurait fait à part moi. Ok. Ah, du coup on revient là. Je déteste les fast jump, que ce soit dans Minecraft, dans Zelda. Donc n'importe quel jeu de je déteste les fast jump. C'est juste horrible comment je déteste ça. Il y a des gens qui adorent ça. Mario, personnellement, c'est un cauchemar pour moi. C'est juste un enfer. Je sais pas comment vous faites pour aimer ça, les gens, les fast jump. C'est franchement pas terrible. Enfin, c'est pas que c'est pas terrible, c'est bien, mais c'est trop difficile. Quoi. C'est grave difficile. Bon, cette fois, je ne me rate. Pas. Je ne me... Non mais quoi? Oh vos gueules vous. Hein. Non mais ils sont sérieux. Et je l'avais là. Je saute en plein dessus quoi. Non mais abusé. Oh non mais là je fais quoi là? Là je fais quoi là? Non mais je fais quoi, je vous le demande. D'accord, je me suicide. Ok, je retiens. Je sais pas s'ils sont sérieux, mais j'étais juste en plein dessus, quoi. Je sais pas comment ils ont pu me dire que j'y étais pas. Non, abusé. Je viens de faire deux allers-retours comme une merde pour rien. C'est juste abusé. Abusé. Tu comprends ça, Link? Toi, t'es intelligent, comme disait le Tèche là dans le premier épisode. C'est abusé. Abusé. Non, franchement, je suis dégoûté. Oh, c'est juste abusé. Oh, je suis dégoûté parce que je me débrouillais super bien dans le premier épisode et là, je suis une vraie merde. Donc, abusé. Puis sinon, bah, ce qui risque d'arriver, c'est que si je me débrouille pas assez bien, je ferai une mini ellipse. Et puis on se retrouvera quand j'aurai réussi à passer. Bon, absurde. On y retourne. Bon, celle-là, ça va en général. C'est pour celle d'après que ça loupe tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, parce que je saute exactement au bon moment. Donc je ne vois pas pourquoi ça rate. C'est juste n'importe quoi. Et puis voilà.
Allez, n'importe quoi. Alors, là, on passe, ils me font pas chier. Là, je l'ai, là. Voilà. C'était compliqué de faire ça, Link. Non. Alors, pourquoi me fais-tu chier? Alors là, je crois qu'on arrive près de la... Ouais, je crois qu'on arrive près d'une... une des lampes. Enfin, une des espèces de grosses alarmes. Là, des trucs chiants. Je crois qu'on arrive par... On arrive en extérieur, ça j'en suis presque sûr. D'accord, ok. Monster fail. Hop. Alors, qui n'y a-t-il ici? Là, normalement, je sors. Oui. Oui. Ok, donc on est près de la chambre de notre sister. On va passer par là. Oh, je suis stressé, c'est un truc de malade. J'ai trop la trouille de me retrouver encore en tôle. Oh non, pas lui. Pas lui, pas eux. Et il n'y a même pas de tonneau. Comment je suis censé faire ça, moi? Ah bah si. Je me disais bien aussi que c'était pas logiquement possible. Je me disais bien que c'était pas faisable ça encore, tu vois. Il y a ce truc pas faisable comme ça dans Zelda, mon goût. Oh oui, là ça m'aide pas beaucoup. Que c'est bon, je me hasarde à retirer mon accoutrement. Quelle belle phrase, je me hasarde à retirer mon accoutrement. Ouais, dans un truc de porno bien réalisé. Bon, bref, donc vous voyez que là au-dessus il y a une lampe qu'on va peut-être pouvoir aller la désactiver. Moi je suis à don sur les lampes, hein, c'est il y a peut-être notre épée aussi quelque part. J'espère, parce que sans épée là on est juste un peu dans la merde. Pardon. Il y a un tonneau, donc c'est qu'on va en avoir besoin logiquement. Oh non, ça je vais pas liker. Allez, casse-toi, bordel. Oh, puis le truc qui fait bien exprès de venir vers moi en plus. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Non mais sérieux, puis je marche plus vite, non? T'es un garde ou t'es juste un mec qui est là pour faire chier? Parce que vous voyez, là-bas, il y a une lampe. Oui, c'est un tonneau. Ah, l'intelligence. Quelque chose que tu ne connais pas, mon gros. On va se déplacer millimètre par millimètre. Histoire de pas risquer la mort. Alors je sais que c'est pas forcément passionnant comme phase de jeu, mais bon, c'est juste un peu obligé en fait. Hein. C'est bon, oui, bah allez, avance, c'est bon. Bordel, j'ai cru qu'il allait se retourner. Allez, pars en arrière. Bon, là vous pensez qu'il me voit plus? J'aime bien ce qu'il y a. Il voit qu'il y a un tonneau qui se déplace, le mec ça l'inquiète pas plus que ça. Oui, il voit qu'il y a un tonneau qui passe de derrière lui à devant lui, mais non, lui il s'en fout. N'importe qui se serait pas foutu, mais bon, lui il s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a par là? J'ai pas confiance.
Are you fucking... Ah non, j'ai cru qu'il fallait passer là. Bordel. Quel con. Putain, merde. J'ai failli me tuer. Imaginez, il n'y aurait rien eu. J'étais dans la... Merde. Merde, merde, merde. Non mais monte. Mais monte. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas monter sur la caisse? Oh putain. Oh, j'ai eu peur que le truc y vienne. Link, écoute bien. En haut de cette échelle se trouve un monstre qui actionne les projecteurs. Si tu parviens à t'en débarrasser, tu pourrais sans doute éteindre la lumière. Le problème, c'est que tu n'as pas d'arme. Tu peux te servir que de ton bouclier. Si j'étais toi, je me protégerais de l'attaque du monstre avec mon bouclier en appuyant sur L et R simultanément pour faire tomber son arme. Ah, maintenant c'est à toi de jouer. Alors c'est quoi L et R? Alors, c'est ça et ça. Non, je pense que c'est ça et ça. Oui, c'est ça et ça. Alors, arrive déjà à grimper à cette échelle, ça sera un exploit pour toi, Link. Alors, où il est, coco? Je l'ai même pas vu, cet abruti. Ce mec m'a juste l'air débile. Ouais, yes, nickel. Donc ça, on ramasse, c'est pour Bibi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, Link, tu glandes quoi, là? Non, ça, ça va pas, Link. Si tu fais ça, ça ne va pas. Putain, il l'a récupéré, mais quel con. Là, ça c'est pour moi. Elle est où? Ah oui, d'accord. Mais putain, elle aurait pu préciser l'autre cruche qui avait un pot plein de... Non mais où il est? Mais non, mais qu'est-ce que... What the fuck? Et là, je le lâche pas, hein, je vous dis, c'est un... Oui, il va. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là, c'est le combat de l'année, mes amis. C'est je fais tomber son arme, il ramasse son arme. Mais voilà, ils me font pas chier. Pourquoi tout à l'heure, je pouvais pas le ramasser? Bon, oui, il est passé, l'autre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il la pose? Ah oui, d'accord, parce que... Ah, c'est jeté. Ok, donc toi, mange. Toi... Oh putain, mais... Non, mais c'est quoi ce total what the fuck? Bon. Tout de même. Oh là, alors excusez-moi les gens, j'ai un petit ralentissement. Non, c'est bon, ça remonte. J'ai eu peur que frappe slash. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un pendentif du bonheur, je crois. Oui, c'est ça. À la manière des papillons tirés par les fleurs, on dit que c'est pendentif attiré par ceux qui font le bonheur de leur entourage. Putain, ben, ce fut catastrophique. Donc ce fut vraiment une catastrophe. Alors je vais éviter de sauter ici, je vais descendre par l'échelle, je pense que c'est ce qu'il y a de plus sage. Non, bon, ça c'était pas une bonne idée. Alors attendez, Bitter, ça a désactivé quoi comme lampe? Comme, pas comme lampe, comme... Apparemment je peux passer par là-bas. C'est d'où que je viens. Oui, ben je sais.
Arrête pas de me rappeler que c'est là qu'est ma soeur. Non, sérieux? Alors, il n'y a personne derrière. Non, c'est bon. Par contre, là, je crois que je vais crever bientôt. Intéressant. Mais non, c'est pas de là. Je pense qu'il fallait plus rester là-bas. Hein. Putain, mais où est-ce qu'il faut que j'aille? Que j'aille couiller la fripouille. Par là, je peux monter. Ah, d'accord. Je fais acheter. Non, c'est bon, je pense que j'ai compris, c'est qu'il y a un truc à faire avec la caisse. Vous vous souvenez de la caisse? Sauf qu'elle est du fucking autre côté. Non mais, are you fucking telling me? Non mais, ils sont pas sérieux les gens là. Attendez, il faut que je reparte dans l'autre sens alors que je viens de là. Je viens du sud. Chanson de merde. Also, ben non, je crois que je suis obligé de redescendre. Oui, mais bien là, c'est bien ce qui me semblait. Et il faut que je remonte tout. Enfin, pas tout, mais il faut que je remonte là où il y avait cette fucking caisse. Parce que je suis... En fait, j'ai fait les choses dans le... Comment dire? J'ai bien fait ce qu'il fallait faire, mais pas dans le bon ordre. Non, mais c'est dans l'autre sens, alors. Hop. Non, j'ai pas besoin de la longue vue, je pense. Ouais, non, c'est dans tout le sens, alors. Nickel. Donc, oui, en fait, j'ai fait les bonnes choses, mais pas dans le bon ordre, en fait. Je devais pas passer par là pour y aller. En fait, j'aurais dû d'abord faire... J'aurais dû d'abord, en fait, aller éteindre les lumières, et ensuite remonter en haut et aller faire tomber la caisse. Et en fait, moi, je me suis complètement foiré. Oui, voilà, avec là, cette fucking caisse. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste un raccourci, la caisse. Je sais pas pourquoi. Ouais, si, donc c'est juste un raccourci, en fait, la caisse. Alors, hop, hop, hop. Non, grimper, oui. C'est bien, Link, tu sais grimper une caisse à 12 ans. Bon, c'est donc pas par là qu'il faut que j'aille. Et c'est par où, alors? Là, il n'y a pas de caisse. Ça peut pas être par là. Ok. Ah, je sais, Link. Pour accéder à la tour où est emprisonnée ta sœur, tu vas devoir chercher la pièce qui se trouve juste en dessous. Et le chemin qui mène se trouve derrière l'édifice. Tu comprends? Non. C'est normal que je ne comprenne pas ce que tu me dis, Tetra, et que j'ai l'impression que tu me parles en anglais. C'est d'où que je viens, en fait. Je ne sais pas d'où je viens, d'où je suis parti. C'est catastrophique. Non, là, c'est là d'où je viens, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je fais absolument n'importe quoi. Je fais ce qu'il faut, mais dans n'importe quel ordre. C'est absolument pas cet ordre-là. Allez, là, je suis en mode fifou, wesh. Oh là, un rat. Il faut pas qu'il vienne me faire chier pendant que j'ai le coffre. Parce que sinon... pendant que j'ai le tonneau. Parce que sinon, ça risque de m'embêter. Yes, I know. Alors là, je dois tout me refaire avec le cochon là et tout. Are you fucking kidding me? Je crois que je dois tout me refaire et même le truc avec le cochon là. Ça va me gaver par contre, il faut que je le refasse. Oh là là. Eh bien, on est reparti, mes amis.
Allons-y. Je ne bouge plus maintenant. Donc on se retape tout, mais ce qui est bizarre, c'est que on n'ait pas la possibilité de récupérer des cœurs. Ça m'inquiète un petit peu. Pop pop pop. Mais vous savez quoi, on va retourner là où on était, on va faire tomber la caisse. Et on va ensuite on va se laisser là pour cet épisode, je pense. Pop pop pop. Ah, c'est chaud quand même. Hein. Mon dieu! Mais non, mais arrête ça! Mais il est taré celui-là, c'est pas possible. Le mec, il est juste masochiste. Non, mais vous avez vu ce qu'il a fait? Je suis pas dingue. Il a retiré son truc. Alors que j'ai pas du tout appuyé sur le bouton pour qu'il le retire. Donc c'est juste un fucking masochiste comme je le pensais. Link, tu me déçois. Qu'est-ce qui se passe si je pose le tonneau là? Il roule même pas. Pff, n'importe quoi ce jeu. Non, je plaisante. Bon, il me fait pas chier l'autre derrière. Bah, chier. Bon, bref, alors. Où kiki je dois aller? Par là. Et qu'est-ce qui se passe si je vais... Ah oui, c'est ça que j'ai fait tout à l'heure comme connerie. Voilà, donc... Ips. On va pousser cette putain de caisse. Tout ça à cause de toi, la caisse. Hein. Si tu m'avais pas fait chier, j'aurais pas eu à refaire tout ça. Donc ensuite, là, c'est hop, hic, hip. Et encore un petit... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ce mec est vraiment, a vraiment des problèmes mentaux. Hein. Link, tu m'inquiètes des fois. Link a des déficiences mentales. D'accord, je m'en souviendrai. Mais là, je sais pas si, là où j'étais, si c'est là où j'étais au début ou si c'est... Oui, je sais, là où il y a ma sœur, fais pas chier. Mais je crois que c'est là ensuite. Et oui, parce que là, regardez mes amis, je ne suis pas allé ici. Donc je pense que c'est là. Oh, j'ai envie de continuer. Bon, alors, attendez, on va juste faire ça. Hop. Mais juste ça, hein, genre pas longtemps. Ouais, parce que là je suis juste en dessous. Je sais pas, j'ai l'impression d'être juste en dessous. Ça se trouve je suis en train de refaire le chemin en marche arrière. Je refais 40 fois le même trajet. Je ne sais absolument pas ce que je fais, les amis. Alors, ben, alors combien de temps ça fait qu'on fait les, qu'on tourne la vidéo là? Ça fait un peu plus de 30 minutes, hein, si je ne m'abuse. Bande de petits coquinous, vous avez eu une grande, oui, j'ai dit bande de petits coquinous. Et alors? Non mais sérieux, vous auriez eu une grande vidéo là. Hein. Ça fait assez balèze quand même. Je sais pas si je vous laisse là, si je fais le gros connard et si je vous laisse là, ou bien si je continue un tout petit peu. Qu'est-ce que vous préférez? Même si vous me donnez pas votre avis et que vous verrez cette vidéo que quand elle sera arrêtée, je sais vraiment pas. Non plus, je viens de réaliser que là-bas, je ne suis pas allé voir ce qu'il y avait. Donc je vais y aller tout de suite. Bon, ok. Alors, je vous propose un truc, c'est qu'on fait encore 5 minutes de vidéo et après on coupe. Parce que ça fait ouais quand même à peu près 35 minutes là. Donc 35, ouais, ça fait 40 minutes. Ouais, putain, je fais des grosses vidéos là quand même. Hein. C'est première vidéo, une heure. Enfin, presque une heure, je crois. Deuxième vidéo, un peu plus de 30 minutes. Ça fait des quand même des fucking grosses vidéos. Hein. Donc, allez pas vous plaindre après que je fais des petites vidéos parce que ce sera pas vrai du tout. Oh là là, il y a du monde ici. Pff, la
me gaver ça encore. Ce que j'aime bien, c'est que les... la hauteur des tables est complètement abusée dans ce Zelda. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Oh, ça m'a l'air intéressant ce qu'elle a. Je vois absolument pas ce qu'il y a d'intéressant ici. Ok, ça c'est cool, dis donc. Bon, non, on va remonter parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant ici. Hein. On va remonter. Je préfère prendre ce tonneau quand même, hein, parce que... Mais pourquoi il se cache pas en dessous? Mais quel con. Link est stupide. D'accord. Je m'en souviendrai. Oh là, alors là j'ai une grosse chute de frappe, excusez-moi les gens, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une fucking grosse chute de FPS. Et j'ai bien cru que ça allait me foirer toute la vidéo. Oh putain, vite, prends ça et cache-toi en dessous. Oh putain. Non, non, non. Ah non, mais quoi? Oh non, mais c'est abusé quoi. Sérieux, c'est abusé. Mais voilà les gens, c'est parfait. Maintenant, j'ai une bonne excuse pour vous laisser. Donc, c'était Isaïa de la CEO Family. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Allez, à ciao. À plus. Ouais. Ciao.